Bonjour, voici enfin la finale de la Coupe internationale. Quelle équipe va être couronnée championne du monde? Et nous retrouvons donc le Brésil contre le Portugal. Les joueurs vont sortir du tunnel et se présenter dans le stade. Les joueurs entonnent l'hymne national. Sans vouloir tomber dans le cliché, même si celui-ci serait très positif, les joueurs portugais, Christophe, ont toujours été portés vers l'offensive et surtout dont on retient le nom finalement, ce sont souvent les attaquants. Oui, ça a souvent été les créateurs, mais il ne faut quand même pas oublier que les joueurs portugais sont aussi des joueurs qui ont une vraie détermination, une vraie discipline collective, une très grande organisation tactique. Moi j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs portugais, ils ont vraiment un esprit irréprochable et toujours, toujours porté sur le collectif. Donné Alexandre Pato. Pas de hors-jeu là. Attention, c'est le but. Oh, la bonne passe, c'est au fond. Ah, le tempo est parfait entre le receveur et le passeur. L'action est super. Alexandre Pato. L'arbitre laisse jouer. Alexandre Pato. Oh, sur la barre. Le ballon est sorti. Touche. Neymar. Alexandre Pato. Elias. Robinho. Daniel Alves. Alexandre Pato. En retrait. Il faut dire que la défense est bien en place. Il laisse très peu d'espace aux abords de la surface de réparation. Oh, attention, la frappe! Elle est magnifique! Et la qualité de l'appel de balle derrière, ça fait but! C'est vrai que l'action est magnifique, mais c'est quand même très très mal défendu. Ronaldo. Elder Postiga. Il va y aller tout seul. Le gardien gagne son duel. Il parvient. Cristiano Ronaldo. Il a une solution. Il frappe. Bien joué. Il peut marquer. C'est au fond des filets. Oh, le gardien. Et c'est au fond. Ouais, mais surtout, quelle bourde du gardien. Et malheureusement pour lui, ça a suivi derrière. Alexandre Pato. Daniel Alves. Ça, c'est pas un bon ballon. Varela. Il a trouvé l'espace. Oh oui! Oui, c'est le but! Bonne égalisation, meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Ils ont peut-être le temps d'en mettre un autre. Et c'est vraiment inespéré de revenir comme ça dans le match. C'est donc sur un score nul que l'arbitre siffle la fin des 90 minutes. On est parti pour la prolongation. Ça vient de loin.
Ça peut rentrer cette fois. Oh, c'est chaud. Quelle récupération. Daniel Alves. Oh, quelle frappe. Que c'est beau. Magnifique. Passe en retrait. Il veut marquer. Le coup de sifflet final, c'est la fin de 120 minutes de football. Ils ont prouvé tout au long de cette compétition qu'ils méritaient ce titre. Ils sont sur le toit du monde. Historique, on vit tous ensemble un moment historique. La joie des supporters, des joueurs, de l'entraîneur, c'est fabuleux. Ils sont champions. Ce genre de moment, que l'on devient footballeur et commentateur. Vous savez qu'en arrivant ici, vous allez peut-être devenir champion. Ça n'a pas de prix dans la boule sportive. C'est vraiment fort comme instant, c'est un moment magnifique. Quand vous êtes joueur et que vous avez fait tous ces efforts pour en arriver là, c'est vraiment un sentiment de consécration exceptionnel. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Christophe. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt.